Frères et sœurs humains, salutations fraternelles. Nous sommes le 30 septembre 2022. Il me semble constater souvent qu'il y a une dichotomie entre liberté individuelle et liberté collective ou nécessité du collectif qui vient parfois supplanter et mettre de côté la liberté individuelle. Ça, c'est peut-être plutôt à gauche, alors que, notamment à droite, ou en tout cas chez certains individus, la liberté individuelle, moi, je, mon droit, moi, est peut-être plus importante que la nécessité de la limitation de ces libertés parce que vie en commune. Et à mon avis, enfin, mon point de vue, c'est que les deux ne se contredisent pas et ne doivent pas être mis en opposition. Parce que, ok, quand on vit seul, par exemple, pour essayer de vous donner une illustration de l'idée, quand on vit seul, notre liberté n'est pas encadrée, d'accord ? Elle n'a pas besoin d'être encadrée autre que par soi-même si on le souhaite. Et donc, quand on est célibataire, eh bien, on peut rentrer à n'importe quelle heure du soir, on mange à n'importe quelle heure, on peut sauter des repas, on vit comme on veut, ok ? Mais à partir du moment où on se met en couple, à deux, eh bien, la moindre des choses, c'est de consulter l'autre personne ou de lui dire « je vais sortir tard ce soir, est-ce que ça ne pose pas de problème ?» ou en tout cas « voilà, je vais le faire, je te l'annonce, etc. » Et donc, il y a la nécessité de trouver un juste milieu entre ce qu'on a envie de faire comme ce qu'on avait l'habitude de faire en tant que célibataire et le respect de la vie avec l'autre personne. Okay, peut-être que l'autre personne a envie de faire un truc avec nous ou que sais-je, etc. Et donc, il faut se consulter et c'est une première façon de cadrer la liberté absolument libre et sans limite que l'on avait en tant que célibataire. Mais pour certains, et chez les hommes en particulier, me semble-t-il, ce fait-là, on parle bien de « Ah, tu t'es fait mettre la laisse autour du cou », ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que, voilà, à partir du moment où on est en couple, il y a nécessairement une limitation, un cadrage de la liberté parce que la vie en communauté, quoi, enfin, déjà à deux, quoi. Et puis après, quand il y a des enfants, pareil, il y a des impératifs par rapport aux enfants, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi en tant que parent. Moi, j'ai envie de ne pas m'en occuper, j'ai envie de sortir ce soir, etc., etc. Pourquoi je dis toujours sortir ce soir ? Enfin, X raisons, d'accord ? Donc, plus on est nombreux, enfin ça je sais pas, mais en tout cas, quand il y a une communauté, il y a nécessité de réguler la liberté individuelle. Mais moi je résous l'apparente problématique entre peut-être une certaine vision de droite et une certaine vision de gauche. Vision de gauche, c'est le collectif qui supplante l'individuel, les libertés individuelles, et à droite, ce sont les libertés individuelles qui doivent être premières. Moi je vois pas de contradiction et la clé. Le lien entre les deux, c'est que ce sont les individus, chaque individu, l'individu, d'accord, je le dis des trois façons différentes, qui participent à l'établissement de ce cadre de régulation des libertés. Et donc, puisqu'on participe, puisqu'on sait très bien qu'il faut un cadre, même ceux qui sont à droite et qui sont pour les libertés individuelles, chacun comprend qu'il y a besoin de cadre, etc. Par exemple, quand on prend sa voiture, puisque je suis au volant, il ne faut pas utiliser son téléphone pour enregistrer des vidéos. Mais voilà, il faut s'arrêter au feu ou au stop, etc. Et c'est pas, moi je fais comme je veux, j'ai envie de passer, je passe, etc. D'accord ? Donc il y a, pour arriver d'un point A à un point B en toute sécurité, eh bien il faut limiter, il faut des règles, un cadre, etc. Qui est pour le bien de tous en réalité. Et donc de la même façon, hors du champ de la conduite, pareil, il y a des limites ou des cadres qui sont là aussi pour assurer les libertés, hein, les libertés de chacun, des autres, etc. Si d'aucuns pensent qu'il peut rentrer chez moi parce que hey, c'est ma liberté de rentrer chez moi, eh bien, il porte atteinte à ma liberté, à mon domicile, à mon lieu privé, etc. D'accord ? Donc ça marche. Les limitations ou le cadre, c'est aussi pour se protéger les uns les autres et aussi pour garantir nos libertés. Ok ? Donc voilà. Donc la réponse, c'est que ce sont les individus eux-mêmes qui doivent qui doivent discuter pour savoir où on place le cadre
de la limitation ou de la régulation des libertés. C'est pour ça que donc la meilleure organisation sociale possible, c'est bien la démocratie, puisque la démocratie, c'est le pouvoir politique, le pouvoir d'organisation de la société, d'accord ? La politique, c'est l'organisation de la société. Et donc, c'est l'usage, la démocratie, c'est l'usage pour tout un chacun, ceux qui le souhaitent, ceux qui ne le souhaitent pas, voilà, c'est leur liberté, mais ceux qui le souhaitent, de participer à l'organisation de la société en faisant des propositions de loi ou d'amendements de loi ou d'abrogation de loi, etc., etc. On fait des propositions, on les promeut, on discute pour pouvoir les affiner, etc. Parce que des fois, on peut faire une proposition de loi pensant que c'est une bonne proposition de loi, et en discutant avec les autres, on s'aperçoit que peut-être c'était trop loin ou mal pensé, etc., etc. Donc par la discussion et la proposition des lois, du cadre, etc., de la vie ensemble, on va se mettre d'accord pour voilà, définir ce cadre. Et donc ce sont bien les individus eux-mêmes qui définissent leur cadre. Je reprends l'exemple individuel. Par exemple, je peux me contraindre à me lever tôt le matin, faire du sport, ne pas manger des cochonneries, etc., etc. Et là, je contrains, si on veut, ma liberté, mais c'est moi qui la contrains. Donc, puisque c'est moi qui contrains ma liberté, eh bien, c'est ma libre. Je fais usage de ma liberté en me disant ça, je ne veux plus le faire, etc. Même si c'est un effort, voilà. Donc, de la même façon, en proposant des lois, oui, ça va d'une certaine façon limiter les libertés, mais ça va aussi permettre de les garantir et de bien définir leur champ, leur cadre, parce qu'il ne s'agit pas simplement de limiter la liberté, mais de pouvoir l'étendre au maximum, jusqu'où on peut être libre sans que ça vienne nuire à la vie en communauté. Okay, c'est ça aussi l'enjeu. Et dernier point, évidemment que des fois, on va faire des propositions et on sera attaché à telle liberté, malheureusement, on va se retrouver en face de, peut-être, c'est tout à fait possible, d'une majorité qui sera pas d'accord avec nous et qui sera pour mettre la liberté ou la barrière ou enfin la limitation de la liberté à tel autre endroit que ce que nous avions voulu. Mais malheureusement, c'est une c'est un fait de la vie en communauté, comme quand on est en couple, hein. Encore une fois, pour reprendre cet exemple, des fois même en couple, même seulement à deux et avec une personne qu'on aime, etc., eh bien on va pas être d'accord sur la chose à faire, ou peut-être telle ou telle valeur, on ne va pas la partager exactement, etc. Et malheureusement, soit eh bien, on reste pas ensemble, soit, le plus souvent, me semble-t-il, l'amour fait que les liens, l'émotion, etc., fait que, bon, on fait des compromis, on n'aurait pas voulu faire ça comme ça, mais voilà, on fait des compromis. Donc, de la même façon, dans la vie en communauté, eh bien, soit on n'est pas content, on trouve que tous les gens sont des cons ou la majorité, etc., eh bien on se barre du territoire, et ça c'est pas possible en réalité. Soit, eh bien, shoganai, tant pis, on est obligé de faire vie en communauté parce qu'on a besoin de médecins qui sont dans la communauté, on a besoin de plombiers qui sont dans la communauté, on a besoin des infrastructures qui sont dans la communauté, qui sont fabriquées par la communauté, du savoir, enfin, on a besoin en réalité de la communauté, de l'accumulation de l'humanité pour pouvoir vivre. On ne peut pas se barrer tout seul avec, désolé l'expression, sa bite et son couteau, quoique encore le couteau il provient aussi de la société, pour aller refaire société ailleurs. Enfin moi je dis qu'on ne peut pas le faire, mais ceux qui veulent tenter ils le font, mais voilà. Donc voilà, il n'y a pas, de mon point de vue pour résumer, de contradiction entre liberté individuelle et nécessité du cadre de ces libertés parce que vie en communauté, par le fait que ce sont les individus eux-mêmes, et ce n'est pas la situation actuelle, qui doivent discuter entre eux, après les modalités, ça c'est une autre question, pour choisir où est ce cadre, jusqu'où il s'étend et à quel endroit il se limite. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, exprimez-vous dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France.